Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scribble. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. C'est un mystère hors du commun. Un jeune homme va se retrouver dans une situation bizarre. Il n'a jamais vu ça. En fait, il va voir une jolie fille comme ça qui va lui dire, mon frère, tu sais, tu es beau, viens, viens faire les choses avec moi, juste comme ça. Ah, lui-même va trouver même la chose bizarre. Il va commencer à dire non, ça c'est pas normal. Comment une fille comme ça peut-elle venir juste là à moi et puis vouloir faire les trucs avec moi? Du genre, la fille va maintenant lui demander de venir et venir essayer d'entrer au corps. S'il te plaît, pardon, viens juste faire une fois. Ah, une fille que vous ne connaissez pas, en même temps, cette personne veut que vous couchiez avec elle. Même si c'est vous, accepterez-vous? Même si elle est belle comme ça. Mes frères et sœurs, il faut faire très attention. Avant d'avoir le rapport sexuel avec qui que ce soit, prenez soin de connaître d'abord la personne spirituellement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est son état d'âme? Est-ce que cette personne-là, c'est un génie? Ou même une sorcière? Ou même un démon? Ou même le diable même qu'elle a? Ou même un ange? Faites attention. Vous devez faire vraiment très 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 attention. Et cette histoire que nous allons découvrir ici, va vraiment vous étonner. Ok, soyez maintenant prêts, nous allons voir ça, nous allons vous montrer, nous allons découvrir des choses hors du commun. Déjà, vous devez savoir que c'est cette femme qui est là-bas qui a été attrapée dans cette dimension-là. Waouh! Et les gens ont filmé tout ça. C'est bien sûr, nous allons tout vous montrer. Regardez ça. Comme vous voyez, elle est ici juste en bas. Et que s'est-il passé? Nous allons tout lire. Ici, on nous dit. Au milieu de la nuit, une jeune fille qui forçait un jeune à coucher avec elle s'est transformée en cette vieille dame. Comme sur la photo. Regardez même. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comme vous le voyez, ce n'est pas de la blague. C'est bien réel. Waouh! Incroyable, mais vrai. Et les gens même sont venus même pour prendre en photo. Pour montrer tout ça, tout ça, tout ça. Bon, que s'est-il passé avant? Nous allons essayer de découvrir. On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au milieu de la nuit, une jeune fille qui forçait un jeune à coucher avec elle s'est transformée en une vieille dame. La frayeur était palpable ce matin. Sur le campus où une jeune où une scène inimaginable s'est produite. Une jeune fille a demandé à un étudiant de venir avoir des rapports sexuels avec elle, mais l'étudiant a refusé. L'étudiant a refusé. Là, l'étudiant a refusé. Maintenant, face à ce refus, la fille n'était pas découragée et elle a insisté. Suite à cette instance, le jeune étudiant a crié. Ah, toi, depuis que tu as vu ça, une femme vient pour te demander des choses, et puis toi, tu cries. La frère et soeur, c'est parce que c'est de la blague. Regardez, on nous dit que le jeune homme a même crié, quoi. Hein? Il y a plein de personnes ici, si ces personnes étaient à sa place, les gens ont commencé à dire, ah, moi, si j'étais à sa place, hey, tu me connais, mais. Arrête-moi ça, tu peux me toucher quelqu'un qui est anormal. On ne dit plus rien. On dit que on dit le jeune homme étudiant a crié, ce qui a alerté plusieurs personnes qui se sont rendues sur les lieux. Et c'était à 1 h du matin. Ah, à 1 h du matin, tu vois une fille comme ça, tu la connais pas, tu dis, elle te demande de venir coucher avec elle. Yeah, mon Dieu, le monde fait peur. On nous dit ici que les étudiants ont aussi interrogé la fille. L'affaire a été ensuite conduite à l'administration, mais arrivée là-bas, la jeune fille se transforme en une vieille dame. Et c'est apparemment ce que nous voyons ici. What? Et c'est grave, hein? Vous voyez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague?
être informé de cette affaire, vous pouvez réagir dans la partie commentaire et nous en dire plus. Mais ce que nous devons retenir, c'est que dans la vie, dans ce monde où nous sommes, il y a tas de choses bizarres que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre facilement. Quand Dieu nous demande de nous marier, de d'abord nous marier avant d'avoir un rapport sexuel, ce n'est pas de la blague. Vous devez croire tout ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons croire. Ah, mon frère, désormais, là, fais très attention à toi. Fais très attention. Ça veut dire que la femme, là, elle s'est transformée, quoi. Genre, elle s'est transformée en une belle fille pour venir séduire un homme et le gars n'est pas tombé dans son piège. Ça, même, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. C'est pas par sa force qu'il n'est pas tombé dans son piège. Hein? Ah, ça, c'est juste la grâce de Dieu. C'est un coup de vidéo que nous voulons vous montrer, vous présenter. Vous pouvez la partager, vous abonner, ne pas manquer la prochaine vidéo. Et surtout, faites très attention à vous. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Même une vidéo va apparaître ici, en dessous de cette vidéo. Vous pouvez la regarder également. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.